Salut à tous, on se retrouve pour les commentaires de la troisième manche du championnat de France Clio Cup. Toujours en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Bonjour. Donc avant toute chose, on va refaire un petit rappel aujourd'hui du classement général. Donc après maintenant la réalisation des trois manches. À ce jour, Vincent Queudeville, donc au commentaire avec moi aujourd'hui, est en tête du championnat, suivi de Stéphane Coche, moi-même, Jérôme Pocre, Vincent Ponson, Alain Choisnard, Sébastien Da Silva, Frédéric Mézier, Monsieur Franchitti, Menke et Waterloo pour finir pour le top 10. Donc on a des scores qui sont assez serrés et ça prévoit une bonne fin de championnat bien animée. On va se retrouver aujourd'hui sur le circuit de Le Dénon, donc dans le Gard, un circuit assez vallonné qui a été assez technique avec des belles pré-qualifs et des belles qualifications, encore très serrées sur cette manche, sur cette troisième manche du championnat de France. On va refaire un petit point donc pour ceux qui nous suivent sur les qualifs donc de cette deuxième course sur le circuit de Le Dénon. Course qui, d'après nous, a été un peu plus animée que la première, et qu'on aura le privilège de vous commenter tout de suite après. Donc une victoire pour les qualifications donc de Stéphane Coche en 1:30 58, suivi de Vincent en 1:30 63 et de Jérôme Pocre en 1:30 69. Donc on voit des qualifs qui ont été vraiment gagnés par ma part dans un mouchoir de poche. Voilà, on va se retrouver maintenant en piste pour la course de manche 3 du championnat de France Clio Cup sur le circuit de Le Dénon. Allez, donc on se retrouve en piste sur la ligne de départ. Troisième manche, course 2 du championnat Clio Cup. Poleman Stéphane Coche, suivi de Vincent qui est au commentaire avec moi, Jérôme qui suit derrière. Donc les deux premières lignes sont Restart et OKP, donc une belle bataille qui devrait suivre dans les tours qui vont arriver. Derrière un embarqué de la ProSim Racing et encore une OKP. Donc on voit que le plateau est assez serré entre ces deux teams. Une grosse bataille d'équipe en ce moment qui se produit sur ce championnat. Donc on est on board avec Jérôme pour le départ de cette manche de Le Dénon. Circuit qui a été pour la plupart d'entre nous très difficile de 1 à mémoriser pour ceux qui ne le connaissent pas. Et de rouler vite. Un circuit qui est vraiment technique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les difficultés de ce circuit et quels ont été d'après toi les points clés, Vince? Alors qu'on Ah voit bon, ah bon. le départ. Beaucoup de virages techniques et je dirais des enchaînements qui sont pas faciles à gérer et de faire, je dirais, trois bons secteurs. Hein. Je dirais moi-même, j'ai beaucoup galéré pour faire un bon chrono et j'ai dû le faire très peu de temps avant la fin des précales. Alors là, on est dans la première difficulté, ce fameux triple gauche de Le Dénon, qui est vraiment très difficile. Donc là, on est sur Alain Voilà, Choisnard, voilà. qui a l'aspiration. On est dans la remontée du gauche. Gros carton Oula! à l'épingle. Gros carton, en effet. Un qui a frotté, et puis surtout une OKP, là, qui est arrivée un peu en embuscade de n'importe où, là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, je pense que ça sera sous l'œil de la commission. Un circuit déjà très difficile tout seul, alors en paquet, toujours facile de choper son point de frein. Ouais, un circuit qui a beaucoup de virages en aveugle, hein. C'est la difficulté, je dirais, de ce circuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points de corde qu'il faut connaître par cœur, et on tourne à l'aveugle. Donc là, on est sur toi, là. Tout de suite recolle à moi, Jérôme qui est derrière, qui lui aussi a la pression d'un OKP. Ouais, c'est bien compact là, il y a pas mal de groupes dans le premier tour, c'est bien serré. Une ligne droite qui permettait de doubler sur le triple gauche si on ressortait bien. Et une particularité sur ce circuit, c'est vraiment de bien sortir, hein, de ce dernier virage quand on remontait.
On voit peu importe la voiture, que ce soit en réel ou en virtuel. C'est un virage qui est vraiment très difficile. Très important, ouais. Ouais, très important. Ouais. Ah, Jean-Philippe, hein, qui est tout de suite à la pression sur Jérôme pour doubler. Déjà un petit écart sur le cinquième. Ah, on voit deux groupes hein, qui commencent déjà à se former devant. Hein, Stéphane Koch et Vincent Quetteville et derrière Jérôme et Jean-Philippe. Alors là, on est sur une partie qui paraît simple mais qui était assez difficile avec ce pneu là qui est à l'intérieur en fait parce qu'on a tendance à vouloir aller couper ce virage pour éviter de sortir large. Mais il y a eu beaucoup de casse pendant les brécales. Ouais, ce pneu là est vraiment traître, ouais, en effet. Ouais. Il y a deux trajectoires complètement différentes là entre Jérôme et toi, Vince. Ça reste propre hein, pour le moment. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit incident au départ hein, qui fait que probablement que le peloton a dû s'étirer. Voilà, donc on parlait de cette fameuse remontée là où on voit tout de suite Jean-Philippe qui est à la spie. Hein. Ouais, on sait pas s'il va passer. Tanguy aussi là sur Fabien. Tentative. Ah, il est à Je pense l'intérieur, qu'il c'est est passé, passé, ouais. ça passe, c'est joli. Ah, ça passe et c'est propre. Ouh là là, et devant, je sais pas qui c'est, mais là il y a quelqu'un qui a été touché les pneus ou qui s'est fait une frayeur, un coup de raquette. Donc là on est sur une voiture de la PRG Pro Racing Team. Il y a eu un départ assez long. C'est des turbo diesel comme je les appelle parce que les premières manches, il n'y avait pas un qui avait réussi à se qualifier sur le serveur 1 et maintenant ils arrivent à y rentrer à 2 ou 3. Hein. Une belle team aujourd'hui. Belle team avec des belles performances, notamment Damien Ouattreloup hein, qui rentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le top 10 du championnat. Parce qu'il y a besoin de connaître, de rouler pas mal avec ce mode hein, pour arriver à trouver les astuces pour être, j'irais, assez rapide. Ouais, tout à fait. Il y a besoin de pas mal de roulage. Voilà, c'est pas un mode alors d'expérience, hein, c'est pas un mode qui se prend facilement, hein, c'est un mode qui est assez réaliste, qui n'a pas le grip qu'on peut retrouver sur certaines Clio Cup qui sont déjà sorties ou sur des modes type R-Factor 2 qui ont beaucoup de grip. Et donc c'est vrai que la solution est vraiment de rouler, quoi, il n'y a pas de secret, quoi. Ah, une attaque sur Jean-Philippe. Sur Vincent, sur Jérôme, oh bah j'ai rien tout fait, oh là là. Faudra revoir ce qui s'est passé, Jérôme du coup qui repart très loin. Très très loin. Ouais, qui a perdu beaucoup de place, ouais. Mais comme le paquet est compact et qu'il y a une sortie, tu perds énormément de place. Hein. Ouais, il doit ressortir dans les 10 ou 11e place à mon avis. Mais le passage m'avait l'air correct hein, de la part de Jean-Philippe. Donc là, on est sur Alain Choisnard. Alain Choisnard qui avait écopé de deux pénalités, hein, non des moindres, par la commission. Un départ avec un seul tour qualif. Et un départ sur cette course de fond de grille, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, c'est fond de grille, oui. Donc. Il a fallu cravacher pour remonter. Donc on voit, hein, ça s'est quand même vachement étiré. Hein, on doit être aux alentours du 4 ou 5e tour. C'est déjà assez éloigné. Hein. Une belle bataille également. On est passé dessus un peu rapidement. C'est la voiture de Ludovic. Onboard. Une vue assez intéressante. Donc on arrive sur le triple gauche. Est-ce qu'il va tenter? Ah non. Préféré assurer. On rappelle que les voitures roses en forme de cochon, c'est les OKP, les heures team engagées. Donc du coup, c'est vrai qu'on se respecte encore plus, je dirais, au sein de cette team. Oui, entre teams, oui, il y a pas d'attaque trop virile, on dira. Ah, ça reste très fair play. Je pense qu'il y avait moyen d'attaquer.
Pas évident d'attaquer quand même dans ce virage-là qui est très rapide, il faut vraiment être très très propre. Ouais, et puis avec un gros sur ou sous-virage, suivant comment la voiture est réglée. Et du coup, c'est vrai que c'était un endroit où il fallait vraiment être serein ou avoir une voiture qui était vraiment très très bien réglée pour pouvoir attaquer à ce niveau-là. Un secteur qui fait un triple gauche qui faisait vraiment pas la différence, hein. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons des écarts qu'il y a eu sur ce premier secteur entre les personnes qui passaient fort et ceux qui assuraient un peu plus en fonction de leur réglage. Donc là, on est sur Damien Ouattreloup, hein, Damien Ouattreloup qui est en train de se faire attaquer à la Choisnard, là, sur le côté gauche. Et une attaque. Ouh là là! Chaud. C'est viril, mais c'est lui qui en a fait les frais. Alors on est sur Hervé Fort, quand tu attaques dans la descente. Ah, il faut tout de suite recoller ici, c'était ça la soluce. Hein. Ah non, Francis Savère, excusez-moi, on est sur Francis. Notre fameux, il m'excusera du terme, on l'appelle un peu comme ça malheureusement pour lui, le petit chat noir de notre championnat. Le pauvre, vraiment pas de réussite et indépendamment de sa volonté malheureusement. Faut espérer que ça ne durera pas jusqu'à la fin du championnat. Ouais, faut espérer pour lui. Ouais. En effet, ouais. En tout cas, on remercie encore une fois de sa présence. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il mieux ressortir? Il y a une belle trajectoire là, pour la remonter, à mon avis, ça peut passer en haut. Et il reste propre. Il est revenu sur un petit trio. Damien Ouattreloup, Alain Choisnard. Un grip qui était assez difficile également hein, sur ce circuit, un peu moins de grip que sur les circuits officiels type Imola, Spa, etc. Ouais, Oui, difficile, ouais, difficile. une grippe pas évident. Ouais, Bah, fallait savoir évident à gérer. trouver puis à gérer, ouais, tout à fait. Franchitti un peu esseulé là. On voit qu'il y a pas mal d'écart là, entre les gars, ça s'est un petit peu étiré. Ouais, en effet, ouais, c'est vrai que c'est un circuit qui, pour le spectre, n'a pas été à la hauteur, on va dire, de circuit. Parce que c'est vrai que c'est un circuit qui fait quand même beaucoup la différence. C'est un circuit très technique, hein, donc un circuit qui provoque des écarts qui sont assez importants. Après, on verra également avec la gestion des pneus s'il y a des changements, notamment à partir du 15e tour. On rappelle que c'était une course qui était assez longue puisque le circuit se fait assez rapidement. Une course qui comporte 22 tours, probablement la plus longue du championnat. Je pense que les pneus pendant les précales ont refroidi pas mal d'ardeur pour la course. Ouais, complètement, ouais. On parle bien entendu des pneus que vous voyez à l'écran actuellement à gauche, qui sont dans le jeu non déplaçables. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez les pneus, c'est comme si vous prenez un mur. Donc certes, les dégâts sont affaiblis, mais par contre, vous restez scotché. Donc là, je crois reconnaître la voiture de Tanguy. Ah, toujours les deux au capé là, à la bagarre hein, depuis tout à l'heure, Jean-Claude Menck. Notamment à Bill. l'image. Arnaud Maréchal derrière à l'attaque. Beau pilote, régulier dans le top 10, hein, Arnaud Maréchal. Sans trop d'erreurs. En régulier. Voilà, régulier dans un top 10. Alors on rappelle qu'il y a quand même un niveau qui est assez important sur ce championnat, qu'un top 10 est totalement respectable. Un petit freinage tardif, mais qui va certainement pas permettre à Arnaud de doubler. Ça va être. Ouais, à moins qu'il recroise en sortie, mais ça va être difficile.
Eh ouais, il croise, hein, il va passer. Oh là, ouais, c'est plus que respectueux dans cette équipe, hein. Oui. Oh là là, ça envoie un message à la commission. On croirait les époques Ferrari en F1. On n'a pas le droit de laisser passer comme ça. Pas autorisé. Autorisé mais toléré. Non, c'est bien, c'est fair play, bravo. Là, on est revenu sur un trio, là, deux OKP, Jérôme Pocre. Il remonte, ouais. Qui Le seul remonte, aussi. ouais, tout à fait, hein, qui a quand même la pression derrière, hein, avec Alain Choisnard. Ouais, Jérôme qui était vraiment dans le rythme sur ce circuit. C'est vrai que la course 1, malheureusement pour moi, s'est finie par une déconnexion de mon internet et donc la perte de ma première place qui était provisoire puisque la course n'était pas finie. Et Jérôme subit la course 2. Avec pour nous, ça n'a pas été la plus grande des réussites sur le Dénon, malheureusement. Mais bon, il se laisse pas démonter, hein. Voilà. Jérôme dans toutes ses œuvres, hein. Et voilà, qui passe à l'intérieur. Freinage tardif. Non, le capé Et ça repasse. recroise. Et ouais. Ça Et ça va recroise. re-recroiser, c'est joli. Bien joué. C'est propre entre ces deux pilotes. On voit bien la flèche, hein, qui montre que c'est passé. Ou Alain Choisnard un peu hors ligne là. Attention, respect des lignes de course. Très belle bagarre, fair play comme tu dis. Tout cas, c'est fair play, c'est joli. Oh là là, encore une fois, trajectoire un peu limite derrière. Mais bon, c'est la course. C'est différent des qualifs, c'est différent des pré-qualifs. On est dans la pression, hein, tu connais. Puis on voit pas forcément ce qui se passe devant. Et puis surtout ce virage-là, hein, t'es plus facile de sortir large que de rester sur la bonne trajectoire. C'était un virage clé également, hein, cette remontée. C'est Oui. vrai qu'on pouvait très facilement perdre un ou deux dixièmes, hein, sur cette remontée. Un virage qui était très simple, hein, en soi, hein, la remontée, puisque bon, on pouvait pratiquement réaccélérer bien avant le point d'apex, on dira. Mais on pouvait très vite perdre du temps, hein. Oui, ça c'est un virage qui était qui est rapide, mais voilà, le chrono des fois ne parle pas toujours dans le bon sens. Un petit peloton là, hein, qui 4 voitures, hein, combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 voitures, hein, 6 voitures qui suivent. Hein. Ouais, On ça doit s'est être resserré. dans. Ça s'est resserré en effet, on doit être à peu près dans la même seconde. Seconde et demie entre le premier et le sixième là, de ce groupe-là. Bah, un peu comme sur toutes les courses, hein, je dirais que la bataille se fait généralement, on va dire, vers la 7 à 10e place, c'est souvent là où sa bataille sévère. Il y a un bon paquet ouais, sur ces places-là et généralement c'est il y a de bonnes bagarres comme tu dis. Ouais, les places sont très chères entre la 5 et 10. Une grosse bataille. Cette vue est pas mal, on voit bien la marque du sponsor. Hein. Je sais pas, c'est Petit Cochon, c'est ça, non? Oui. Oui. Ouais, une attaque là, Damien Wattreloup. Vu le départ de l'action, je pense que ça devrait passer, mais encore une fois, le virage au Ouais, bout est pas c'est pas facile. facile. Ah, il décale trop vite, à mon avis. Ah, il faut pas oublier derrière sa colle aussi, hein. Ouh là là, c'est joli ça. Ça va passer, ça va passer. Oh là là, c'était chaud, à mon avis, là. Je pense qu'il est pas passé loin des pneus. Tentative avortée. Ça peut croiser dans la descente, ça peut freiner tard. Il est un peu en Ouais, retard quand même, ouais. Il est un peu loin. la porte a été fermée correctement, mais Ouais. Ouais, par contre, regarde la remontée, hein. La remontée s'est passée, hein. Ça frotte, on va dire correctement. Et ça passe, hein. Et pour les deux. Et deux places de perdu, ouais. Hein. Et deux places de perdu sur un virage. Hein. Quoi, vraiment rien n'est perdu, hein, comme on le sait tous, hein. Tant que la course n'est pas finie, il y a des places à gagner. Hein. Donc là, on était. Je pense que c'est Damien Wattreloup et Francis Savert, à mon avis, je pense, qui. Notre réalisateur, Yoshi, va nous dire ça.
Et non, il veut pas. Alors, en même temps, on l'a pas payé, donc il va pas nous faire ce qu'on lui demande. Après, sur ce mode, il est vrai qu'il faut vraiment privilégier les relances. Et comme il y a très peu de puissance, on a vite fait de se faire dépasser par un ou deux pilotes. Hein. Et ouais, tout à fait. Ouais. Là, Yoshi me dit que c'était Waterloo, bataille contre Menke. Donc là, on est revenu sur la tête de course. Dans ma voiture, ouais, je pense. Dans ta voiture, exactement, où on peut voir notre type de pilotage. On roule devant. On me voit au loin, je suis content. Tu m'as vu qu'au loin sur cette course. Ah oui, j'ai pas pu te suivre. Mes respects. Je t'en remercie, c'est vrai que c'est une course où je visais le doublé. Le Dénon a été, comme je l'ai toujours dit, mon circuit préféré depuis le début de mon humble carrière de simracer. Et je vois que tu triches toujours autant, que tu inventes des parties de route. Bravo. Ça, c'est un petit peu une trajectoire. Je vois qu'un OKP encore derrière fait pareil. Non, mais bravo. Je soupçonne d'avoir payé le réalisateur pour faire voir ce virage-là, mais bon. C'est pas grave. On voit que ça s'est étiré hein, devant. Et là, il y a une belle bataille, hein, probablement Tanguy qui passe. Ouh. Ouh là là, c'était limite. Mais ça peut passer. Ouais, je sais pas si ça a touché ou pas. Je pense qu'il a eu plus peur qu'autre chose, notre ami de l'OKP. C'est passé pour Tanguy. Tanguy qui reprend un peu de réussite. Hein. On avait parlé de lui dans nos derniers commentaires. Pilote rapide en qualif, en essai, en pré-qualif, mais malheureusement qui ne sait pas pour le moment, ou qui n'a pas la toujours chance eu la réussite. Voilà, de faire ses exploits, reproduire ses exploits en course. Et ça a l'air de bien payer pour lui sur cette manche. Espérons que ça, encore une fois, que ça continue. Donc là, on est revenu sur Jérôme. Allez, petite vidéo embarquée là. On est dans la voiture de Franchitti, Pro Team Racing, l'équipe qu'on vous parlait tout à l'heure. Qui va essayer de recoller ce petit train avec Tanguy bien devant, loin, voiture grise et bleue. Je pense que Tanguy a fait un petit peu l'écart qui lui permet d'être un petit peu tranquille, dira-t-on. Ouais, mais comme on sait tous, sur ce mode, la moindre erreur, c'est une seconde de perdu et c'est recollé. Donc rien est fini. Il faut vraiment rester régulier du premier tour jusqu'à la fin. Jean-Philippe, tiens, qu'on n'a pas vu, Jean-Philippe Ponceau. On n'avait pas vu plus que ça là depuis tout à l'heure. Qui termine troisième, hein, qui était derrière toi. Oui, il est resté derrière moi. Et ça a dû recoller, il recolle à deux, trois endroits. Hein. Ouais, Jean-Philippe Ponceau, Sébastien Da Silva derrière qu'on a pu apercevoir. Donc là, on est sur un triplé des OKP en position 2, 3, 4. Bien représenté, hein, les OKP sur cette manche en division 1. Série 1, appelons ça comme on veut. Là, on est dans la partie, on est dans le dur. Hein. Là, les pneus commençaient à. On le voit, hein, pourquoi les gens sortent. Hein, parce que là, il y a un gros gap hein, sur Assetto Corsa, et notamment sur ce mode. À partir du 12e tour, on sent vraiment une perte d'adhérence et il faut se remettre dans une nouvelle course, on va dire. Je sais pas si ça te fait ça, Vincent. Hein. Ici, il faut ajuster un petit peu ses trajectoires, ses freins. On commence à avoir un sous-virage qui est très prononcé. Il faut vraiment, je dirais, changer un petit peu ses freins. Ah, exactement, ouais. C'est vraiment là d'ailleurs qu'on peut faire la différence, hein, je dirais. Gros écarts se font à ce moment-là de la course.
On peut faire la différence ou on perd aussi pas mal d'avance qu'on avait, hein. En fonction Voilà, des des réglages règles. et du pilotage, il y en a qui s'en sortent mieux avec des pneus usés que d'autres. Et en fait, dans ce passage de course, les écarts se resserrent ou s'agrandissent, ça dépend des personnes. Et là, on a vu des échos sur Sébastien Clade. Double gauche, on va voir qui passe le mieux. Ah, avantage pour Sébastien Clade. Oh là là, il aurait pu passer. Mais ça aurait été le drame. Je pense que son choix était judicieux. Et Allez, on est on board. typiquement dans ce genre de virage où le sous-virage accentué, on nous fait perdre pas mal de vitesse. Ouais, complètement, ouais. Alors on voit devant qu'il a la pression, hein, notre ami de la Pro Sim Racing. Qui va passer. L'écart s'est refait, hein, il était collé. Donc sur des portions du circuit, en fait, il y a des endroits où c'est très difficile de suivre le gars vraiment dans le pare-choc. Donc on est obligé un petit peu de lever et justement ces écarts se font assez naturellement. Après on peut recoller sur certains virages, mais pas toujours facile. Ouais, bah voilà un exemple type là. C'est vrai que ce virage en bas de la descente là a été très difficile à négocier quand t'étais collé au pare-choc de quelqu'un. Par contre, là on voit qu'il commence à attaquer. Je pense encore une fois qu'il est encore un peu déboîté tôt là. On l'a vu avec l'autre personne tout à l'heure également. Mais bon, ça a l'air de passer. Il est devant. Il est extérieur, mais il est devant. On va voir comment ça va se passer dans ce virage. C'est propre, ça passe extérieur. Oh, Propre c'est faire passé, pipi. c'est joli. Ouais, jeu très joli entre les deux pilotes. Hein. Bravo. Beaucoup de Un respect. beau respect, Damien Wattrelous, qui cède sa place avec tout le fair play. C'était passé, de toute façon, on l'a bien vu à l'image. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Ouh là là! Ouh là 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 là! Ça ponte. C'est pas joli du tout. On appelle le freinage trop tardif. Ah, et puis là, alors on va voir est-ce que le respect et le fair play a été respecté. Mais j'ai malheureusement pas l'impression que celui-ci a relaissé passer. C'est bien dommage. Oh, enfin, s'il s'avère qu'il y a un problème. Donc là, on est revenu sur la tête de course. Et qui perçait. Et que moi-même au pilotage. Pas trop de pression hein, sur l'avant de Pour la le moment, course, ça d'accord, va, ça va. t'es Ouais, un peu moins tranquille. que. Un peu moins que ce que je m'attendais. C'est vrai que la course a été assez vite claire pour moi. À part les 4-5 premiers tours où tu m'as mis la pression, c'est vrai que j'ai réussi. Après, j'ai pas réussi à suivre. J'ai réussi à augmenter le rythme à un bon moment et je pense que c'est ce qui a fait la différence et qui a fait que j'ai pu après maintenir mon écart. Moi, comme je t'avais dit tout à l'heure, bah, Jean-Phil a recollé. Eh ouais, Jean-Phi qui revient, hein. Il sera même capable de t'attaquer dans ce virage. Ouh là là. Eh non, non, c'est la caméra qui fait que on pensait qu'il était bien proche, mais Il est revenu très près. il est revenu, ouais. Hey, Tanguy qui se prend la pression, oh là là! Oh, Wow! jolie glisse. Jolie glisse, bien maîtrisée, hein, et puis il perd pas trop de temps. Hein. Alors, je sais pas dans la voiture de qui on est, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les noms. Bastien da Silva, il me semble. Sébastien Da Silva, ok. Sébastien Da Silva, donc. Versus Tanguy. La Race RS. On va voir comment va se passer ce triple gauche. Il me paraît très extérieur.
qui n'est pas forcément la meilleure trajectoire, mais par contre il va avoir une belle sortie peut-être. Mais en face, il a quand même un adversaire de choix, Tanguy. On a pu voir aussi pas mal de différences en fonction peut-être des setups, en fonction des virages où il y a des pilotes qui étaient très rapides dans certains virages et moins dans d'autres portions de circuit. Ouais, Ça tout à fait, mais je pense que fait c'est pas lié au mal le circuit. yo-yo. Ouais, vraiment lié au circuit, dans le sens où il y a quand même des parties, notamment l'escargot qu'on voit en haut, qui sont quand même des parties rapides, des parties lentes, hein, des parties en dévers. Le setup ne peut pas être bon partout. Il faut privilégier, pardon, forcément un secteur plus qu'un autre, ou deux secteurs plus que le dernier. Donc, en effet, je dirais que la clé était d'avoir un setup passe-partout. Pas toujours facile de la trouver cette clé, hein, Stéphane. Très difficile, je dirais même. Mais je te le dis, il n'y a qu'une chose qui marche. Vous me demandez toujours mes setups. Défaut, messieurs. Défaut. C'est le meilleur setup. Il passe Non, bien partout, sûr, comme tu c'est. dis. Non, bien entendu, c'est une blague, puisque on l'a répété à maintes reprises. Vraiment pour les pilotes et pour ceux qui nous suivent, c'est vrai que le setup défaut de ce mode n'est vraiment pas une réussite, on va dire. Et donc il faut vraiment adapter un setup spécifique à chaque circuit. C'est vraiment Mais très, c'est. très 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 fin les réglages en plus sur le setup. De 2-3 changements sont hyper importants. On voit une tentative d'attaque au frein. Ouais, Sébastien qui a tenté, mais Tanguy qui est bien, bien reparti. Il a repris quelques longueurs, hein, ça va être dur pour Sébastien d'aller chercher cette place. On n'a pas beaucoup parlé de lui, mais position plus qu'honorable. Hein, notre ami Fabien Franchitti, de la Pro Racing Team, encore un des pilotes qu'on parlait tout à l'heure, hein, qui a été en début de championnat à l'ouverture du mode sur le serveur 2 et qui aujourd'hui est dans le top 10 du serveur 1. Comme quoi, Au tout résultat. le résultat. D'un travail acharné sur les setups et la conduite dans ce mode font la réussite des résultats. Une belle bataille au loin. Eh, Sébastien qui recolle, hein, quand même. Hein. Toujours à peu près dans le même secteur. Ah ouais. On va voir si la relance là-haut va être meilleure pour. Pour Tanguy, tout à l'heure, il avait refait une différence à cet endroit-là. Et il reprend un peu à la relance. Hein. À chaque fois, la réaccélération, oui, il reprend une Ouais. petite distance de sécurité. Là, on voit qu'il vient de reprendre un peu quelques mètres à cet endroit-là. Peut-être un réglage avec trop de différentiel sur le KP, je ne sais pas. Pas trop souvenir du setup. Oh là là, et voilà, Ah. bah là, c'est ce qu'on appelle perdre le travail acharné qu'il avait fourni. Et du coup, il vient de perdre une place de gagner. Enfin, il vient de perdre une place, et en plus, Pas bien gagné une. Non. il aurait pu en gagner une, et il vient d'en perdre une. C'est les joies de la course. Il était peut-être en surpilotage. La double gauche qui était où tu avais facilement l'arrière qui pouvait partir. Hein. Je Ouais, sais que ça m'est vraiment, ça arrivé m'est plus arrivé. d'une fois. Hein. On doit pas être loin de la fin, hein, au niveau des tours. Sans la voiture de moi-même, Stéphane Koch. Donc on voit que j'avais quand même fait le trou. On est
d'après notre réalisateur, dans le dernier tour d'ailleurs. Il avait une bonne marge de sécurité au dernier tour. Enfin, ça fait longtemps que tu l'avais cette fois. À peu près de 4 secondes si mes souvenirs sont bons, donc c'est vrai que on pouvait assurer. D'ailleurs les chronos étaient vraiment descendus puisque on roulait en 32 à peu près alors que les qualifs ont été faits en 30.5. Ah, petite erreur avant dernier tour. Ah, on va voir comment je passais le triple gauche. Avec les pneus usés. Avec les pneus usés, voilà. Intéressant. Alors moi j'ai une trajectoire qui était différente de tout le monde. Moi je collais intérieur. Alors le réalisateur ne veut pas nous montrer Vince qui est milieu et intérieur. On avait à peu près la même trajectoire. À croire que je pense que c'était vraiment la meilleure. Puisque sans aucune prétention, nous avions la chance d'être devant. En tout cas sur ce partiel. Moi j'ai un peu de pression. Et là il y a Jean-Phi, hein. Jean-Phi qui, malgré qu'il soit dans ton équipe, lui aussi hein, joue des points au classement et ne veut pas te laisser cette deuxième place, hein. Pas aussi facilement que ça finalement. Ah j'ai cru qu'elle allait tenter. Hein. Je sais pas, le TS devait pas marcher. Donc tu vois, il n'y a pas de consigne là au cap. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Eh ouais, il aurait pu même te faire l'arrière. Hein. Il est vraiment collé là. Hein. Ah, il est très très gros dans le rétro. Moi j'avais vraiment les pneus à l'agonie. Hein. Et... donc on est dans la descente du circuit avant la ligne droite d'arrivée. Oh là là là, bah apparemment il devait être lui aussi en surpilotage ou avoir un problème de freinage parce que là il va même peut-être perdre sa place. Alors, on voit que Tanguy, ça, Tanguy ça qui a vraiment très recollé. Serré. Hein. Oui. Ah, là aussi on a une belle arrivée. Hein. Ah ça va être un peu court pour passer, je pense qu'il manquera pas grand chose. Alain Choisnard, Arnaud Maréchal. La plupart des pilotes sont en train de finir. Donc voilà, course finie. On va vous faire un petit point sur le résultat donc au championnat et puis au classement team. Donc à l'issue donc de cette manche 3 du championnat de France Clio Cup, Vincent est en tête, Vincent Queudeville, Stéphane Coche, Jérôme Popre, Jean-Philippe Ponceau, Alain Choisnard, Sébastien Da Silva, Monsieur Mézières, Franchitti, Menke et Waterloo. Donc ça c'est pour le top 10. On a eu une manche assez... assez animé finalement, hein, Vince, malgré que le peloton se soit très vite étiré. Oui, oui. C'était étiré, mais après, en fait, il y a eu pas mal de petits paquets, il y a eu des belles bagarres à chaque niveau. À part bien sûr devant où tu étais parti et que tu nous as laissé en plan, mais. De belles bagarres derrière. J'avais un rendez-vous, je devais vite filer. J'ai bien senti. Ouais, je serai plus respectable en Belgique pour la prochaine manche, la manche 4 sur Spa. Un circuit totalement différent hein, qui favorisera donc plutôt l'esprit d'équipe et puis l'aspiration avec ses grandes lignes droites. Hein. Oui, circuit qui sera assez long à mon avis, mais je pense qu'on aura des belles bagarres. Ouais, je pense aussi. Hein, bah, d'ailleurs, on est au milieu à peu près des pré-qualifications. On voit que les temps sont très très serrés. Donc, ça annonce vraiment de la belle baston à tous les niveaux. Donc on a hâte de rouler dessus et de pouvoir vous faire partager ça via les vidéos. On vous encourage d'ailleurs à liker, à partager. C'est vrai que c'est le fruit de la guerre pour nous. Plus il y a de vues, plus on sera encouragé et plus on continuera à vous faire partager notre passion et puis nos courses. On vous encourage également à venir sur ces championnats, notamment pour le moment sur Assetto Corsa.
Et on va donc finir cette retransmission par le classement team. Donc avec l'OKP Team 1 qui est aujourd'hui en tête, suivi de la Restart Racing, l'OKP Junior Team, l'OKP Team 2 et la Zigzag. La Zigzag, sachant que la plupart des points sont marqués par Alain Choisnard, son acolyte étant souvent sur le serveur 2. Espérons pour lui qu'il puisse nous rejoindre dès les prochaines courses sur le serveur 1. En tout cas, les batailles à titre individuel et à titre de team sont au rendez-vous. Et on est à ce moment précis au milieu du championnat. Donc la bataille risque d'être serrée jusqu'au bout. Je Je pense, oui. pense. Je pense que ça va être serré autant au niveau team que pilote et ça promet une bonne fin de championnat. Exactement. Mavins, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée comme à tous ceux qui nous regardent. Et on se retrouve donc pour la retransmission de la Manche 4 sur Spa. Bonne soirée à toi et avec plaisir pour la prochaine. À bientôt, salut.